They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Demoiselle en détresse venait de commencer. Et donc, chère demoiselle, au moment de vous faire secourir par votre prince, vous devez être magnifique. Non, mais c'est une blague. Comme si au moment où un dragon s'apprêtait à me croquer, j'allais me soucier d'être bien coiffée. Je pense que justement... Ah, ça, c'est le genre de cri qu'un dragon pourrait bien venir vous hurler dans les oreilles si vous ne faites pas davantage attention. Donc, avoir l'air perdu et sans défense, c'est notre meilleur moyen de s'en sortir. Règle numéro 23. Une demoiselle en détresse doit en toutes circonstances avoir l'air surprise. Bravo, darling, c'est ça. Je te donne 20 sur 20 comme d'habitude. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre héros sera le grand frère de Darling, Darin Charming. Oh là là, Darin Charming. Ouais, vive Darling. Darling, sois gentille, va chercher ton frère. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est censée aller chercher le héros de l'histoire. Apparemment, elle l'a trouvé. Oh, je t'en supplie, viens me sauver, j'ai très peur, etc. Dites, ça pourrait tomber à l'examen. Oh, oh, le dragon de Wuthering Heights est en chemin pour nous manger. Ils ont déclenché une alerte dragon de niveau 5. Notre héros est arrivé. Darling, magnifique! Darin, tu es tellement charmant! Tu es à la hauteur de ta réputation! Bonjour! Attendez! Oh, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Darling! Ça m'arrive de plus en plus souvent et je ne sais pas du tout pourquoi! Tu as de la chance d'être une fille petite sœur! Tu vois ce que l'on doit endurer, nous, les héros! Plains-toi, mon pauvre! Le cours est terminé.